Cette semaine, Accès réservé vous emmène dans les coulisses du château de Serran à Saint-Georges-sur-Loire. Vous découvrirez sous un autre jour ce domaine privé qui accueille chaque année près de 25 000 visiteurs. Alors, le château de Serran, situé à Saint-Georges-sur-Loire, a été construit à la Renaissance. Nous sommes dans les années 1540 par la famille Brie. Donc autrefois, nous avions un vieux château fort qui a en grande partie été rasé par la famille Brie pour construire le château Renaissance. Donc du château fort, il ne nous reste que les douves et les souterrains. Donc les Brie, au XVIe siècle, commencent ses travaux par le grand escalier central que généralement on appelle la loggia, car on a réellement une architecture italienne qui est reprise. C'est une galerie, une ancienne galerie ouverte sur l'extérieur qui a été fermée au XVIIe siècle. Donc, dans cette loggia, on va retrouver toutes les sculptures grâce au tuffeau, qui est un matériau très tendre, très clair, très facile à sculpter. On va retrouver donc toutes les sculptures typiques de la Renaissance avec des plafonds à caissons notamment. Alors, le château possède une petite centaine de pièces. C'est assez difficile de les dénombrer entre les pièces de réception, les chambres et aussi les entresols qui sont nombreuses où logeaient notamment les femmes de chambre ou les valets de chambre. Qui donc devaient être proches de leur maître pour intervenir de jour comme de nuit. Alors les Brie vont occuper le château jusqu'à la fin du XVIe siècle. Ils ne termineront pas les travaux. Seule la moitié du château sera construite au XVIe siècle. Et ce n'est qu'au XVIIe siècle que Guillaume de Beautru, un courtisan et également un académicien, à qui l'on doit le tout début de la collection des livres à Serran, rachète le château et termine les travaux. Et donc ce sont les Beautru qui vont terminer les travaux tout au long du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. En 1749, le château de nouveau est vendu. Cette fois, c'est le rachat par une famille irlandaise d'origine, les Walsh, qui deviendront les Walsh de Serran. Donc depuis les Walsh, le château n'a plus jamais été vendu. C'est encore aujourd'hui la même famille. Alors bien sûr, les femmes souvent vont hériter du château. Et donc en se mariant, elles vont changer de nom. C'est un château qui est privé, qui est en gestion privée. Il est au niveau de son entretien, c'est fait de manière totalement privée. Tout est géré par les propriétaires sur les fonds du domaine et les recettes des visites qui nous aident à entretenir le château. Le château est classé depuis 1948 au monument historique. Donc c'est une volonté de la part du prince de Ligne La Trimouille, le papa de la propriétaire actuelle. Et tout au long de sa vie, il a entrepris de faire classer des objets et de continuer à préserver le château. Alors ici, nous nous situons dans la bibliothèque du château de Serran. Donc c'est une pièce très particulière puisque les visiteurs encore aujourd'hui peuvent la découvrir dans sa composition originelle qui date donc de la fin du 19e siècle. Alors ici, nous avons 12 000 livres qui s'étalent sur à peu près 400 mètres d'étagères. Ces livres datent du 15e jusqu'au début du 20e siècle, 1920 pour les plus récents. La collection de tous ces livres, en fait, on la doit à Guillaume de Beautru. Au tout début, c'était le propriétaire au XVIIe siècle du château. Donc c'était un académicien, un lettré. Donc c'est lui qui va commencer à amasser ces livres. Et le hasard va faire que les différents propriétaires du château vont être très attirés par les livres et vont eux aussi ajouter à la collection. Et c'est le duc de La Trimouille qui va vouloir mettre en valeur l'ensemble de cette collection. Alors parmi ces livres, on va retrouver réellement l'histoire générale, l'histoire de France et des pays européens. On a également l'histoire de la noblesse avec des chroniques, des mémoires, beaucoup de descriptions géographiques, de découvertes et de voyages. Donc c'est vrai que ce sont des livres qui ont certains des éditions
plus particulières, plus intéressantes, car elles sont en édition originale, comme l'encyclopédie de Dutrouet d'Alembert que nous avons en édition originale, qui date de 1751. Depuis 2002, la bibliothèque a été classée en tant qu'archive historique, ce qui est un classement assez particulier. Ce n'est pas comme le simple classement aux monuments historiques. Le classement en tant qu'archive historique profite en fait au fond, le solidarise et le maintient sur place, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, les livres sont solidaires les uns avec les autres et on ne peut pas les vendre à l'unité. Ils sont fixés sur place et sont surtout rattachés au château de Serran. Donc c'est une contrainte, mais en même temps, c'est une garantie sur l'avenir pour que les générations futures soient toujours dans cette contrainte et donc que le fonds réellement, le patrimoine, soit conservé sur place. Alors ici, nous nous situons dans la chambre du duc de la Trimouille, donc une pièce qui est rarement ouverte à la visite. Et ici, on peut réellement voir l'aspect de la pièce comme elle pouvait être à l'origine, puisqu'elle a entièrement été restaurée. C'est vrai qu'au niveau des couleurs, au niveau de l'aménagement, on a affaire à un certain confort qu'on peut tout à fait imaginer dans les autres pièces du château. Les peintures ont été refaites, on peut le voir d'ailleurs, elles sont relativement fraîches. Et c'est vrai que c'est un ameublement quand même du château, avec quelques rajouts, mais on a encore quelques pièces d'exception dans ce mobilier. Donc notamment dans la pièce juste à côté, on pourra aller le voir, on a un fauteuil de perruquier qui est assez original puisqu'on a réellement la forme du dossier qui est sculpté pour permettre au perruquier de poudrer la perruque. Juste ici, on a un lit à la polonaise, donc qui est une forme assez rigolote de lit, puisqu'on a réellement le baldaquin qui est au centre. Alors, il ne vole pas, le baldaquin. Il est soutenu par des piliers, enfin des espèces de poutres en métal qui sont complètement dissimulées dans la draperie, mais ça ne vole pas. Mais c'est vrai que c'est un lit assez original. Alors ici, nous nous situons au second étage du château, au-dessus de la chapelle, dans l'aile sud. Donc nous sommes dans un espace qui est totalement privé. Aucun visiteur n'entre ici, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle le châtrier de Serran. Donc le châtrier, c'est une salle dédiée à la conservation des archives et des actes solennels. Ici, on a 120 mètres linéaires de papier, ce qui est colossal. Donc parmi ces papiers, on a 5 thèmes principalement. Vous avez notamment les titres domaniaux, donc ce sont les actes de propriété du domaine, à savoir que le domaine a fait jusqu'à 1600 hectares. Il courait sur une vingtaine de paroisses et comptait notamment les communes d'Ingrande, de Savenières, de Chantossé et du Plessis-Massé. Donc c'était assez colossal et c'est vrai que c'est un intérêt assez particulier pour l'histoire de l'Anjou. On a également les titres personnels, hein, les titres de noblesse. On a également la correspondance privée, les lettres. Les papiers de comptabilité. Et enfin, nous avons également les inventaires anciens, donc les listes de biens, mobiliers et immobiliers, donc qui étaient faits assez régulièrement à chaque succession, à chaque changement de famille finalement. Les archives à Serran, c'est une très longue histoire, hein, puisque ici nous avons des papiers qui remontent au 12e, 13e siècle. Donc ce sont des papiers qui ont été accumulés au fur et à mesure des générations. C'est très rare encore aujourd'hui d'avoir conservé de telles archives privées, avec tout ce qui s'est passé après la Révolution française. Car effectivement, la Révolution française n'a pas du tout atteint le château. Les propriétaires à l'époque, c'était les Walsh de Serran, donc d'origine irlandaise. Malgré tout, ça faisait quand même beaucoup d'années qu'ils étaient en France, donc ils étaient largement francisés, mais ils n'ont pas été inquiétés. Et de plus, les seigneurs de Saint-Georges-sur-Loire n'étaient pas les châtelains de Serran, c'était les abbés. Et aujourd'hui, l'abbaye est effectivement la mairie de Saint-Georges-sur-Loire. Aucun départ définitif des archives ne peut être permis, ça fait partie du classement, donc elles sont à domicile. Alors malgré tout, effectivement, en termes de conservation, c'est une exigence qui est faite aux propriétaires de veiller toujours sur ces papiers. C'est pourquoi d'ailleurs l'année dernière, enfin l'été dernier, les archivistes du département qui ont la gestion de ces papiers malgré tout, sont venus et donc ont tout nettoyé, hein, tout reclassé et tout mis en carton afin de mieux préserver effectivement ces papiers. Thank you.
Donc ici, nous sommes toujours au deuxième étage du château. Cette fois, nous nous situons par contre dans une des salles de bain. Donc une des salles de bain des nombreux appartements que nous avons encore au château, par contre laissés en l'état depuis plusieurs décennies. Alors ici, ce qui est intéressant et assez bluffant encore pour nous aujourd'hui, c'est l'accumulation de tout le linge de maison que nous avons gardé. Car à partir de 1933, le château sera beaucoup moins occupé. Effectivement, 1933, c'est la mort du dernier duc de la Trimouille, Louis-Jean de la Trimouille, qui est mort très jeune, à 23 ans, dans un incendie à Londres, sans être marié et sans avoir d'enfant. Donc c'est une tragédie pour la famille. À partir de là, sa mère, la dernière duchesse de la Trimouille, refusera d'occuper le château. Elle occupera une autre partie des communs. Donc c'est vrai que toute activité s'est comme arrêtée d'un coup. Un effet un petit peu château de la Belle au bois dormant, comme un voile qui s'est jeté sur le château. Et donc on a l'impression ici que les tabliers ont été pliés, repassés, lavés, et ils n'attendent plus que d'être réutilisés par les femmes de ménage qui reviennent au château. Ici, nous nous situons juste à côté de l'ascenseur du château de Serrant. Donc cet ascenseur a été installé au bout de l'aile nord pour acheminer les bagages. Donc c'est plus un monte-charge réellement que pour monter les personnes. Donc il a été installé ici au tout début du XXe siècle. Donc c'est réellement un ascenseur qui a été créé dans cet esprit de confort et de modernité qui a été voulu au château par le duc de la Trimouille. Pas juste pour le confort, mais dans une sorte de compétition finalement entre différents châtelains pour avoir la dernière modernité à la mode. La cage d'escalier que l'on peut voir ici, du coup, a été remaniée pour pouvoir accueillir l'ascenseur. Donc les rampes sont pour beaucoup amovibles pour permettre à l'ascenseur de desservir les différents étages. Et puis donc, bien entendu, l'espace au centre correspond sur mesure à la cage de l'ascenseur. Et donc, on chargeait les bagages au rez-de-chaussée, et donc voilà, on tournait la manivelle, et donc les bagages étaient acheminés en fonction de l'étage qu'allait occuper la personne qui arrivait. Donc cet ascenseur montre également le côté mondain de la vie au château, donc les réceptions qu'il pouvait y avoir avec ses familles qui venaient plusieurs jours ou plusieurs semaines. On le voit bien au niveau des chambres qui composent les étages du château, c'est des petits appartements en fait entre eux, avec toilettes, salle de bain et chambre et petits salons. Et donc l'ascenseur, à partir du nord, acheminait les différents étages et donc les bagages de ses invités. C'est le seul ascenseur que nous avons au château. De l'autre côté, nous avons une autre cage d'escalier. Au centre du château, la cage d'escalier principale avec la loggia qui est le plus vieil escalier du château. Alors ici, nous sommes dans les souterrains. Nous sommes dans les souterrains du château, donc juste à côté des cuisines, des espaces qui sont visités encore aujourd'hui, mais à quelques mètres, on a des espaces qui sont totalement privés. Donc ici notamment, nous avons juste à côté de nous la chaudière, enfin une des deux chaudières du château, installée en 1898 pour apporter le chauffage au château. Alors bien sûr, les cheminées vont être gardées encore de nombreuses années en appoint, mais c'était déjà une modernité et un confort encore, qui était donc voulu pour adoucir un petit peu les heures les plus froides au château. Donc on a au-dessus de nous les gaines de chauffage qui sont visibles dans les souterrains et puis après elles passent dans les planchers, au niveau des entresols, hein, on ne les voit jamais au niveau des étages du château, tout est dissimulé. C'était réellement un désir qui était voulu pour avoir le confort sans avoir à gâcher l'esthétique du château. Ce n'était pas possible que tout soit alimenté en même temps. Du coup, on a un système de petites tirettes, effectivement, qui actionnait certains conduits ou qui les fermait, hein, qui les ouvrait ou qui les fermait pour alimenter certaines pièces en fonction de l'occupation du château. Donc, on a des petits émaux où sont écrites les différentes zones du château et donc, en fonction de l'occupation, on ouvre ou on ferme la trappe.
Le château se visite du mois de février au mois de novembre. On se calque principalement sur les vacances d'hiver pour commencer la saison. Depuis 1954, le château est ouvert à la visite. Donc nous accueillons environ 25 000 visiteurs par an. Donc c'est vrai que depuis le temps, nous avons dépassé les 1 million de visiteurs.